lance un mot bamara, parce que Bogo, qui veut dire la terre, l'argile, mais on ne dit pas Bogolan, Bogolan c'est le nom donné à la technique, mais on dit généralement Bogolan fini. Ça veut dire résultat de la terre sur le tissu. Et cette technique traditionnelle de teinture appartient à l'ensemble du groupe Mandeng. Et là, bon, par exemple, il y a plusieurs ethnies qui constituent le groupe Mandeng, dont fait partie les Bamara. Et c'est surtout les Bamara bon, qui ont beaucoup révolutionné cette technique traditionnelle par rapport aux autres ethnies. Le groupe Bogolan Kasubane est un groupe qui a été créé vers les années 1978 après notre sortie de l'Institut National des Arts. Mais l'initiative du groupe est venue de M. Kanyura Koulibaly qui a soutenu bon, son mémoire de fin d'année d'études en 1978 sur cette technique traditionnelle de teinture. Je suis un sortant de l'INA. L'INA, l'Institut National des Arts. Tout ce que j'ai fait après ma sortie avec le groupe, c'est de faire des recherches. Des recherches sur les techniques traditionnelles et les mettre au service de la jeunesse. C'était pour moi un rêve de voir la jeunesse œuvrer avec leur passé, leurs produits. Les Africains avec un produit africain, un savoir africain qu'il est en train de rénover. Donc ça a été notre mission de 78 à nos jours. En 78, nous avons eu le courage d'aller à Markala parce que Kanyura, après avoir soutenu en Bogolan, il avait vendu quelques toiles. Et c'est avec cet argent que nous sommes partis faire l'atelier en 78. Donc nous avons eu à faire notre première exposition le 23 septembre 1978. Un artiste a un ego très fort. Et c'est tout à fait logique parce que la création, c'est comme ça, c'est pas évident et on a toujours tendance à s'approprier. Mais le groupe s'inspirant du Bogolan a pensé que dans la technique traditionnelle du Bogolan, c'était une œuvre collective. Donc, fort de cela, le groupe, quand le groupe a été créé, nous avons dit donc nous ne voulons pas rester à faire des œuvres individuelles, nous voulons faire des œuvres communes qui appartiennent au groupe. Le nous est très important dans la culture africaine. C'est pour cela qu'on va dire un masque senufo. On ne peut pas dire un masque de Klesike ou bien de Sanon, mais le masque senufo. On ne va pas dire le Tiwara des Zan ou des Golo, on va dire le Tiwara Bamara. Et pourquoi? Et c'est pourquoi il a tenu à ce que le groupe s'adapte à cette réalité africaine. Au lieu de dire le moi, on dit le groupe Bogolan Kasubane. Il y a deux techniques qui ont été enseignées et qui ont été transmises de génération en génération. Il y a une fima qui veut dire bon, la décoration en noir et la nyegendjema, la décoration en blanc. Bon, nyegendjema, bon, c'est-à-dire la décoration en noir, bon, concernant cette technique, bon, le tissu est trempé d'abord dans le ngalama. Le ngalama, bon, ce sont les feuilles d'un arbre bon, qu'on appelle couramment le bouleau d'Afrique. Mais il y a un nom latin de l'arbre pour retrouver l'arbre un peu partout à travers le monde. On appelle Anogustus. Et on a deux possibilités pour avoir la couleur. Soit on pile les feuilles, on met l'eau là-dessus, et au bout de 30 minutes, ça donne la couleur ocre jaune. Ça, c'est une première possibilité. Il y a une seconde possibilité, bon, où on essaie de faire bouillir les feuilles pour avoir la couleur ocre jaune. Et dès qu'on a la solution de la teinture, on trempe le tissu dedans. On laisse le tissu jusqu'à ce que ça soit bien imprégné. Et en ce moment, bon, on le sort et on l'étale au soleil. Je suis l'unique femme du groupe. C'est dû au fait qu'il y avait des créations féminines et il fallait qu'une femme soit là pour porter ses habits.
et les présenter. Indépendamment de cela, pour la création artistique de nos tableaux, nous avons tous collaboré ensemble. Et ces cinq hommes étaient des frères pour moi, puisqu'il y avait une très bonne collaboration entre nous. Avec la disparition de notre frère, Feu Kandura Koulibaly, je suis devenue la présidente du groupe Bogolan Kasovani. Et ce qui veut dire que nous devons continuer à nous battre pour la valorisation de notre patrimoine culturel qui est le Bogolan. De 1979, avec la création du groupe Kasovani, on s'est d'abord fixé des objectifs comme la sauvegarde de ces techniques traditionnelles de teinture, ensuite la vulgarisation de ces techniques, et ensuite juste l'utilisation de ces techniques traditionnelles de teinture innovées par la génération montante. Il ne s'agit pas de former les jeunes et de les laisser dans la rue. Bon, il faut les former et les insérer directement dans la vie active. La raison pour laquelle on a pris le nom Ndomo pour désigner par exemple cette entité. Parce que le Ndomo dans le temps avait comme mission de former les jeunes et de les accompagner dans la vie. Bon, compte tenu de cette réalité, on a pris le même nom. Bon, et là, l'objectif visé c'est de former les jeunes et les accompagner dans la vie. Et pour cela, donc c'est ceux qui s'intéressent à l'art, bon, viennent volontairement et ils reçoivent en quelque sorte une formation durant 2 années et une insertion, un accompagnement, bon, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de se prendre totalement en charge.